de connaître, d'être informé du contenu. Et bien sûr, si nous sommes participants, nous sommes participants à part entière. On ne peut pas revenir sur le passé, certes, mais pour ce qui est de l'avenir, on a besoin de cette information pour la conduite de la défense des intérêts de notre client. Alors, voici, vous avez, il y a une particule de ce que vous dites qui est très vrai. Vous allez pouvoir embarquer dans le train à partir du moment où vous en faites la demande. En ce qui concerne ce qui a été fait auparavant, la portion du témoignage de M. Zambito concerne des procès à venir qui doivent être protégés. Et je ne sais pas où vous étiez au printemps ni où vous étiez à l'automne lorsque j'ai dit que les enquêtes qui se faisaient ne pouvaient pas, et les audiences et le témoignage des personnes ne se faisaient pas en vase clos. Mais il y a une chose que certaine, nous n'allons pas reprendre ce qui a été fait auparavant et vous embarquerez là où nous sommes rendus. Alors, et si vous voulez plaider ça plus à fond, vous le ferez plus tard. Pour le moment, nous allons entendre le témoin. Très bien. Merci.